Cher public, bonsoir. Bienvenue à cette dernière soirée de la saison de printemps de Jazzin' for l'Écluse chez Voltaire. Alors, on va terminer avec des feux d'artifice, avec une musique qui va appeler un petit peu l'été. J'espère qu'on va passer de l'hiver à l'été. And I would like to say hello also to all non-French speaking people, public that are there. Thank you for being here with us. Alors, je disais qu'on espère que le temps chaud arrive et pour appeler l'été, le printemps finalement et l'été, on a fait appel à un groupe de la région franco-suisse qui vont nous chauffer avec des rythmes cubains, brésiliens, jazzy. Alors, attention, enlevez la petite table du salon devant, faites de la place, montez sur les tables, je ne sais pas, mais bougez. Je vous présente Yemaya! Thank you.
Soberana.
Merci beaucoup. Soyez les bienvenus à notre concert. On est le groupe Jemaya et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir chanter pour beaucoup, beaucoup de personnes, pas que dans un pays, mais partout dans le monde. C'est la première fois qu'on fait ça en tant que groupe et on est très contents pour ce fait. Alors, maintenant avec vous, bon, je veux le dire aussi vite en espagnol parce que j'ai beaucoup d'amis dans d'autres pays de langue espagnole. Somos el grupo Jemaya y estamos muy felices de transmitir este primer concierto para muchísimos países en el mundo y tantos amigos y familiares que nos acompañan desde otras tierras. A continuación, vamos a hacer el tema brasilero Agua de Beber, Agua de Beber. A continuación, on va chanter le morceau brésilien Agua de Beber. Thank you.
Merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, on chantera encore des rythmes brésiliens. Vamos a continuar todavía con ritmos brasileños. Y este tema se titula Ladeira da Preguiça. Ce morceau s'intitule Ladeira da Preguiça. On l'entend déjà. Thank you.
Super, super. On est très contents. On est très contents de pouvoir faire ce concert et de faire ce voyage un peu par tous ces pays tellement chaleureux dans leur musique. Estamos muy felices de poder hacer este viaje por todos esos países que tienen una música tan cálida y que llega al corazón y a las venas y que arrive au cœur et aux veines. Et maintenant, on va vous proposer un morceau cubain. C'est un homme qui aime beaucoup une femme. Et à chaque fois qu'il la voit partir, il est un peu préoccupé. Il se dit, mais est-ce qu'elle va retourner? Est-ce que ça va bien se passer? Je l'aime tellement. Alors pour vous, la Negra Tomasa. Para ustedes, la Negra Tomasa. Cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo. Qué triste me pongo. Ay, ay.
Bilinga. A la mesa. Kumba, 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 chero. Ay, bongo, bongo.
Yemaya avec vous, grupo Yemaya con ustedes. Bueno, maintenant on va se calmer un petit peu, on a dansé, maintenant on va se relaxer légèrement, pas beaucoup. Nos vamos a relajar un poquito, no demasiado. Gracias a bailar.
Alors ça, c'était It Don't Mean a Thing. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire, une petite histoire. Dans mon pays, il y a un métier qui a existé pendant des siècles. À Cuba, il y a un métier qui a existé pendant des siècles. Et c'est les vendeurs des rues, les personnes qui vendent différentes choses dans la rue. Alors, il y a un type de produit très particulier qu'on consomme beaucoup les Cubains encore aujourd'hui, et c'est les cacahuètes. Cacahuètes, en espagnol, s'appelle mani. Alors, el manicero, c'est la personne qui vend les cacahuètes, toujours très créatif. Il ou elle s'invente une chanson pour vendre son produit. Así que, bueno, para los que hablan español, el manicero. No creo que haya que explicarles mucho a ustedes, pero en nuestros países latinoamericanos, en todo caso en Cuba, existe esta profesión desde hace muchos siglos, que es el vendedor de productos de calle, y en nuestro país es el manicero. Pour vous, el manicero. Cómprame ahora que después me voy.
yo esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Rico el maní. Ay, qué calentico y rico está. Ya no se puede pedir más. El maní se lo entona su pregón. Y si la niña escucha su cantar, clama desde su balcón. Ay, dame de tu maní, dame, dame de tu maní, que yo esta noche no voy a poder dormir sin probar tu cucurucho de maní. Caballero, me voy. Si no compraron maní, lo siento. Si a pas eu de gens qui achetent cacahuètes, je pars. Alors, j'aimerais bien vous présenter mes musiciens avant qu'on parte. On va faire un dernier morceau, très connu aussi. Il a été popularisé par Celia Cruz. Así que me gustaría presentarles a los músicos antes de que terminemos este concierto que hemos querido hacer entrando en sus hogares. Y bueno, aquí tenemos a Eric Fournier. Mesdames et messieurs, Eric Fournier. Dans la basse, wouhou, dans la basse, on a notre chère Delmis Aguilera. Et au piano, on a Cédric Charret. Merci à ces grands musiciens qui m'accompagnent. Moi, je suis Diana Granda et avec grand plaisir, on va vous jouer un dernier morceau. Vamos a hacerles una última canción. Gimbara. Gimbara kumbara kumba gimbamba, gimbara kumbara kumba gimbamba, gimbara kumbara kumba gimbamba, gimbara kumbara kumba gimbamba. Hey mama, hey mama. Dile que ya
Prochaine fois. Merci infiniment, cher Yemaya. Cher Yemaya, merci d'être là, d'être venu à passer un bon moment avec nous pour partager cette expérience. J'espère que ça vous a plu. C'était différent. Hein? Merci pour l'invitation et tous les personnels de Fort-l'Écluse. Ça a été super. On a été très bien accueillis et ça a été un plaisir pour nous. Merci. Merci encore. Et alors voilà, c'est la fin de la saison du printemps de Jazz in Fort-l'Écluse chez Voltaire. Mais ce n'est pas fini et c'est peut-être la dernière expérience qu'on va faire comme ça, sans public. Ce n'était pas évident et on va ouvrir les portes, on espère bientôt. Et en fait, le programme va continuer avec ce bouffet de chaleur que vous nous avez amené. On va passer au fort pour continuer le programme. Mais on remercie d'abord le Centre des Monuments Nationaux pour nous avoir accueillis à l'Orangerie du Château des Voltaires. Et on remercie infiniment l'agglo du pays de Gex avec l'équipe de Nicolas Reynard et l'équipe du Fort. Et on remercie bien sûr Partner Image, Jazz in Production pour le son, le webcasting. Et on vous donne rendez-vous le 19 juin. On ouvre grand les ports au Fort. Encore la formule, on doit tout travailler, on doit tout voir comment est-ce qu'on peut faire ça pour vous. Mais on espère de vous accueillir bien sûr le 19 juin. Notez la date, c'est samedi. Et pour commencer avec du reggae ska jazzy avec The Jazz Orchestra. À tout bientôt. Ciao.